monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et enfin vous allez savoir ce qu'il y a dans le contenu qu'a envoyé Infinity Ward à plusieurs youtubeurs, dont Kenshin qui était en stream et qui nous a fait justement cet opening pack en stream. Donc tout sera de son stream tout simplement. Donc je vais tout simplement vous dire ce qu'il y avait dedans. Donc il y a eu deux t-shirts. Alors déjà faut savoir, avant de vous dire ce qu'il y avait dedans, il faut savoir que l'ouverture de cette boîte, il fallait tout simplement un code parce qu'il y avait un cadenas et le code c'était 115. Pour ceux qui connaissent le zombie, vous savez ce qui est. Bah, c'est quoi le code, le 115 tout simplement. Alors dans le contenu de la boîte, il y avait deux t-shirts. Donc les t-shirts, je les trouve pas forcément beaux, hein. C'est un petit peu, c'est un peu dégueulasse. Il avait une banane, donc vous savez les bananes là, bref, vous savez, une casquette, dessus c'est marqué danse, bon bah voilà, c'est un peu moche tout ça, deux paires de lunettes, les lunettes c'est pareil, je les trouve pas ouf, donc je sais pas c'est quoi les gouttes d'Infinity Ward, mais bon voilà, c'est un peu space, des bracelets, vous savez les bracelets métalliques là qui se referment sur votre poignet, un Rubik's Cube, bon bah voilà, un Rubik's Cube, des chaussures, les chaussures, bon... voilà, je sais pas, j'ai pas de goût pour ces chaussures. Une cassette, alors il y avait une, alors il y a une petite cassette qui fallait rembobiner, etc. Alors ils donnaient aussi un truc pour lire, mais malheureusement, je sais pas, Kenshin n'arrivait pas à le faire lire, donc il l'a mis dans sa radio. Je vais tout de suite vous faire écouter la bande son, c'est parti. Utterly terrifying and terrific, wasn't it? The name's Willard Wyler. And if you don't know already, though you certainly should, I am the greatest horror creator and connoisseur of all time. And I have chosen you to star in my next picture. Consider yourself the chosen one, if you will. Well, for some time anyway. With these items, you'll sure to fit right into my next great masterpiece. Careful you don't get sucked into the role too much, though, as within this awesome assortment of goodies is quite easily the raddest one of them all. Interested? Of course you are. Things are never quite what they seem in one of my pictures, and inside this box is just a sneak peek at the wild ride in store for you. But you'll have to act fast if you want to reap the rewards. Keep searching, because I'm sure something inside will open up for you. And then, well, then the rest is up to you. Ok, alors en gros, il disait que l'accoutrement qu'ils m'ont filé devrait nous servir pour quelque chose. Et j'ai pas vraiment suivi le reste, mais en gros, il me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui se trouve dans la boîte, donc on a trouvé, c'est la VHS. Et ensuite, en fait, dans la bande-son, en anglais, il disait qu'il y avait un truc caché, comme vous le savez, et c'est tout simplement une grosse cassette VHS. Dans cette cassette, en fait, c'est là où il nous donne le trailer, enfin. Donc, vous allez voir, donc Kenshin nous a montré un petit peu en live. Peut-être que quelqu'un arrivera à rec correctement pour avoir la meilleure qualité. Mais voilà, c'était pas une bonne qualité sur son stream. Donc voilà, je vous mets tout de suite le trailer d'Infinite Warfare. C'est parti. Thank you.
your ass coming at you. Welcome to the dark side. Normally I'd say bite me, but like, let's not do that. Why were clowns invited? No one likes clowns. In Spaceland. Donc voilà, le trailer est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, c'était GoTex. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Peace.